Je vais démute nos micros et on s'y jette. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier live, enfin ce premier numéro des After Rotondes qui est consacré ce soir à l'exploration martienne. Donc je m'appelle Arthur Raffier, je suis médiateur scientifique à la Rotonde Mines Saint-Étienne et je serai accompagné ce soir par une personne de l'ombre qui s'appelle Marie Danielé, qui est également médiatrice scientifique à la Rotonde. Et ce soir, nous recevons avec nous Lucie Poulet et Cyprien Verseux. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Bonjour. Super, on vous entend au moins, ça c'est tout bon. On peut peut-être commencer peut-être par vous présenter. Est-ce que vous voulez vous présenter? Et je vais faire ça de manière très arbitraire. Je vais dire Lucie, c'est toi qui vas commencer. Très bien. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Lucie Poulet et je suis chercheuse au Centre Kennedy de la NASA en Floride. Je travaille dans le groupe qui s'appelle Space Crop Production pour la production de nourriture dans l'espace. Et la nourriture qu'on produit, c'est des plantes. Donc, c'est un groupe qui est très interdisciplinaire où on a besoin d'avoir des gens qui font de la physiologie des plantes, des microbiologistes, des chimistes, des ingénieurs. Et moi, je suis ingénieure de formation et donc je m'occupe de, enfin, j'étudie la partie plus ingénierie avec la modélisation, l'optimisation des paramètres pour faire pousser des plantes dans l'espace. Le but de tout ça, c'est de un jour nourrir les astronautes qui seront sur la Lune, qui iront sur Mars. Voilà. Ça Pour faire marche. simple. Ça marche pour faire simple. Mais on aura l'occasion d'y revenir juste après. Cyprien, toi, si tu veux te présenter, c'est le moment. Ouais, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Cyprien et je travaille au CERM, qui est un institut dans l'université de Brême. Et je dirige un petit laboratoire qui s'appelle le laboratoire de microbiologie spatiale appliquée, dans lequel on essaie de trouver comment est-ce qu'on peut produire sur Mars ce dont on a besoin, par exemple de l'oxygène et de la nourriture, à partir de ce qu'on trouve sur place en utilisant des micro-organismes pour ne pas avoir à tout envoyer depuis la Terre. Ok, ça marche. Alors, pareil, on aura l'occasion d'y revenir juste après. J'ai pas pris le temps de vous présenter un petit peu le déroulé de cette soirée. Donc, les After Rotondes, c'est un moment d'échange qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, où on est là ensemble pour discuter donc ce soir de l'exploration martienne. Mais n'hésitez pas, bien entendu, à poser vos questions à nos invités. On a choisi ce soir de vous faire réagir à donc quelques extraits issus de la pop culture en lien avec vos domaines de recherche et voir un petit peu avec vous deux, ce que vous en pensez déjà, savoir si c'est plutôt plausible ou non. Et si vous avez des choses à nous dire en plus dessus qui viendraient agrémenter tout ça. Ça vous va? Très bien. C'est le programme, de Très bien. toute façon, ça ne bouge Ah pas. non, finalement, non. Finalement, on laisse, on met de côté. Et j'en profite également pour vous dire que ce soir, on a en fil rouge donc Marie, qui est pour le moment dans l'ombre, mais qu'on verra peut-être tout à l'heure, qui est en train de nous conce qui va nous concevoir une base martienne à partir des informations que vous allez lui donner. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va, je pense, discuter base martienne, capacité, taille de l'environnement, ce qu'on va pouvoir retrouver, etc., pour lui donner du grain à moudre et qu'elle puisse nous faire la plus belle des bases martiennes derrière, ou la plus efficace, au choix. Alors, qu'est-ce que? On commence. Alors, on va attaquer tout de suite, dans le vif. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'exploration martienne avec vous deux? C'est parce que vous avez participé chacun à une mission au sein de ICES, c'est ça, qui visait à simuler, qui visait à simuler le Mars, c'est ça, à Hawaï, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Ouais, C'est ça. dans les grandes lignes, hein, vraiment dans les grandes lignes. La première question que je vais avoir, c'est pourquoi Hawaï? Pourquoi choisir Hawaï? Là, je vous ai pris un petit extrait que vous devez voir de Seul sur Mars, avec une jolie photo. On est loin de la plage, mais vous allez peut-être pouvoir nous en dire un peu plus. Ouais, bah, une des raisons pour les... Ouais, tu veux commencer, Lucie? Vas-y, vas-y, vas-y. Okay, bah, en fait, Compléterai si besoin. ça marche. Le paysage qu'on voit là, sur cette photo de Seul sur Mars, ça ressemble beaucoup au paysage dans lequel on était. En fait, ce n'était pas n'importe où à Hawaï, c'était sur le volcan Mauna Loa, qui est le plus gros volcan de la planète.
Et en fait, le décor ressemble énormément à Mars. C'est-à-dire qu'on va avoir juste des champs de roches volcaniques, roches volcaniques qui vont du rouge au noir à perte de vue. Il n'y a à peu près aucune trace de civilisation en dehors du dôme dans lequel on était. Et donc la géologie et l'environnement ressemblent beaucoup à celui de Mars. Et après, il y a le fait aussi que la mission a été organisée elle a été financée par la NASA, mais gérée par l'Université d'Hawaï. Une dernière chose qui peut-être est intéressante, c'est qu'il y a des tunnels de lave, qui sont en fait des structures qui se forment quand il y a une coulée de lave. La partie qui est à l'extérieur va se refroidir au contact de l'air, mais la partie intérieure qui est encore chaude va continuer à couler, ce qui fait qu'on va se retrouver avec des espèces de tunnels qui vont ensuite se faire recouvrir par plus de coulées de lave. Et c'est des choses qui, a priori, on a aussi sur Mars, sauf que sur Mars, ça peut être encore plus gros grâce à la gravité qui réduit. Et donc ça permettait d'avoir des missions d'exploration dans ces tunnels de lave, comme on pourrait peut-être le faire sur Mars. D'accord, ok, ça Voilà. marche. L'avantage de Hawaï, c'est que c'est des volcans qui sont jeunes, parce que Hawaï, c'est un archipel qui est volcanique, et donc tout a été, chaque île est construite grâce aux volcans sous-marins. On est sur une plaque océanique, et donc la dernière éruption de Mauna Loa, c'était dans les années 80, il me semble. Donc on n'a pas de végétation qui a eu le temps de pousser encore. Ou si c'est de la végétation, c'est vraiment tout petit et on la voit pas, donc on était vraiment dans un environnement désert, un désert D'accord. de roches volcaniques. Ok, ça marche. Donc les conditions étaient plutôt réunies. Et vous parliez tous les deux du sol martien. C'est quoi, qu'est-ce qui caractérise en fait le sol martien? C'est quoi ces propriétés qu'on peut retrouver par exemple à Hawaï? C'est un sol qui est... Vas-y, vas-y. Le sol martien, c'est ce qu'on appelle le régolithe. Le régolithe, c'est un sol qui n'a ni matière organique, ni vie microbienne en fait dedans. Donc c'est un sol, on peut dire, qui est mort. Enfin, c'est pour ça qu'on n'appelle pas sol, mais qu'on l'appelle régolithe. Et donc voilà, Mars, c'est une terre de volcans, et c'est en ça que c'est similaire à ce qu'on trouvait sur Mauna Loa à Hawaï. Ouais, et la composition est assez proche. En fait, Mars, c'est surtout du basalte, qui est aussi ce qu'on trouve à Mauna Loa. D'accord. D'ailleurs, il y a un simulant qui a été utilisé par la NASA, enfin, qui l'est encore d'ailleurs, qui vient d'un volcan qui est juste à côté de celui de Mauna Loa et qui est utilisé pour différents tests. Où on a besoin d'un analogue du sol martien. Alors, ce n'est pas pour n'importe quelle application, parce que quand on choisit un analogue, il faut que ça ait les bonnes propriétés voilà, pour certains types d'applications, mais il vient juste à côté de là où on était. D'accord, ça marche. Alors, on va pouvoir du coup enchaîner là-dessus. Vous avez participé tous les deux donc à ces missions ICES à des années différentes finalement. Vous viviez dans une base. Ça ressemblait à quoi? À quoi est-ce que ça ressemblait cette base? Lucie, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Parce que de mémoire, c'est toi qui est allé avant Cyprien. Oui. Alors en fait, on a participé tous les deux à des missions qui étaient dans le même paquet, si je peux dire. On avait en fait, donc on l'a dit au début, c'était des missions financées par la NASA, donc des études dont on était les cobayes. Et pour cette étude en particulier, qui visait à étudier l'autonomie, qui a étudié une équipe qui serait en autonomie quasi totale sur Mars. Ce dont les chercheurs avaient besoin, c'est d'avoir trois missions, une de 4 mois, une de 8 mois, une de 12 mois. Donc moi, j'ai participé à celle de 4 mois, Cyprien a participé à celle de 12 mois. Et donc, on était pendant tout ce temps enfermés dans le dôme avec 5 autres personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que certains aspects étaient similaires à ce qu'on pourrait attendre sur Mars et d'autres pas du tout. Le dôme en fait ressemblait à un grand loft OK. à deux étages, enfin un grand loft. On avait à peu près 120 mètres carrés, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, c'est C'est 120 mètres rien. carrés en tout, ouais. C'est 90 au En sol, tout, je crois, parce que c'est 11 mètres de diamètre et avec une Et espèce de après. mezzanine, ouais. Ouais. Et on avait donc chacun notre chambre en 2 mètres par 3 à peu près. Voilà. Donc une espèce d'appartement. En fait, l'intérieur ne ressemblait pas à ce qu'on peut voir dans Seul sur Mars ou dans Space Force
quand ils sont dans une navette, mais ce n'était pas grave parce que ce que les chercheurs voulaient, c'est avoir des équipes, voilà, qui sont isolées de toute vie humaine, végétale et animale pendant une certaine durée et ensuite comparer les effets du temps sur ces trois missions. D'accord, ok, ça marche. Oui, Pour ajouter vas-y. peut-être un truc, en fait, de l'extérieur, ça ressemblait à un ballon de foot coupé en deux. C'est-à-dire, c'était un dôme blanc avec deux tout petits hublots qui avaient à peu près la taille d'une pizza. Alors, pizza familiale, mais. Et voilà. Et à l'intérieur, donc, on avait une impression d'espace. Il me semble que dans Seul sur Mars, d'ailleurs, à un moment, quand il bricole, il a aussi un dôme dans lequel il fait pousser ses patates. Ça ressemblait un peu à ça. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être. À ce niveau-là, c'était peut-être pas extrêmement réaliste. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on ait quelque chose d'aussi grand qui soit sur la surface, mais on avait une impression d'espace, quoi. C'est un peu comme être dans un espèce de dôme géodésique, D'accord, ok. comme Parce la que géode pour ceux qui habitent en région parisienne. qu'on n'a toujours pas l'occasion de voir depuis un petit moment maintenant, mais qu'on espère pouvoir voir, je sais Vous pas, voyez dans quelques mois. les cinémas à écran Après, sur... hémisphérique. Ouais. Ouais. Pour une base martienne de longue durée, avoir un seul dôme, un seul module, en fait, c'est peut-être pas non plus une très bonne idée, parce que s'il y a le moindre problème, ça veut dire qu'on perd l'ensemble des équipements, de l'équipage aussi, et enfin de tout, en une fois. S'il y D'accord. a une grosse dépressurisation qu'on ne peut pas arrêter, un feu, n'importe quoi, on perd tout, alors que si on a plusieurs modules, on peut contenir le problème. C'était ma question. Ça allait être ma question du coup derrière, de se dire. Pardon. Non, bah, y a aucun souci. Hein. C'est la base martienne idéale. Du coup, c'est quoi? C'est pas qu'un seul dôme, c'est plusieurs dômes qui sont reliés les uns aux autres. Est-ce que on peut imaginer des choses sous terre ou pas du tout? Alors, ça dépend de ce que vous appelez idéal. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien avoir une piscine, un restaurant gastronomique, etc. Maintenant, ce qui est plus probable, c'est qu'effectivement, donc, on ait plusieurs modules. Alors, peut-être pas des dômes, parce qu'un dôme, c'est quand même un gros volume par rapport à la surface. Donc, c'est peut-être pas l'idéal au niveau de la gestion des gaz, etc. Mais en tout cas, plusieurs modules, comme disait Lucie, avec éventuellement des sas entre les modules. Idéalement, au moins deux sorties pour que, voilà, si on doit isoler un module parce qu'il y a un problème, eh ben, on peut toujours, voilà, comme disait Lucie, contenir le problème. Et après, il y a le problème des radiations qui fait qu'effectivement, on aura peut-être quelque chose qui est alors soit souterrain, soit recouvert de régolithes, par exemple. Et puis, quelque chose qui doit être très vraiment optimisé au niveau de l'espace, parce qu'évidemment, voilà, on ne pourra pas envoyer quelque chose d'énorme. Après, il y a plusieurs options. Alors, on parle parfois d'imprimer des choses, d'imprimer des structures sur Mars à partir de ce qu'on trouve sur place. On peut penser à des choses gonflables, etc. Donc, il y a beaucoup de scénarios possibles. Mais en tout cas, je pense que les bases, ça sera une protection contre les radiations, une utilisation très efficace de l'espace, et puis plusieurs modules qui peuvent fonctionner indépendamment. D'accord, ça marche. J'ai un petit extrait à vous montrer. Alors bien sûr, je répète, mais si vous avez des questions, je vois que Poppins avait une question, mais qui a été devancée par moi-même. Donc n'hésitez pas, continuez à en poser, on aura l'occasion d'y revenir. J'ai un petit extrait donc, qui est issu de Space Force, qui est une série qui a été produite par Netflix, qui est sortie en 2020, avec notamment Steve Carell, et qui parle lors d'un épisode d'une expérience d'habitat lunaire, puisque pour le coup on n'est pas sur Mars dans Space Force, on est sur la Lune. L'idée c'est de construire la première base lunaire avant n'importe quel autre gouvernement. Donc je vais juste vous le lancer, et on pourra réagir en suivant. Process complete. You may now enter the habitat. Alors, ma question c'est, ça sent comment dans l'habitat martien? Dans Ices. Est-ce qu'on a vraiment cette petite odeur qui nous prend au nez là comme ça? Ou comment Mais ça se nous, on ne sait passe? pas. Vous On ne peut savez pas le pas. savoir parce qu'on est né dans l'odeur. On a passé 4 mois ou 12 mois dans cette odeur. Donc, personnellement, on n'en sait rien. Il faudrait demander aux gens qui sont venus nous ouvrir la porte à la fin de la mission.
Mais tout le monde, enfin, en ce qui nous concerne, tout le monde était assez poli, on n'a pas eu ce genre de réflexion. Mais après, je ne sais pas. Ouais, ben, j'ai une expérience un petit peu différente. Alors, c'est vrai qu'on s'habitue très vite à l'odeur et qu'on ne se rend pas compte. Par contre, on devait parfois faire des missions à l'extérieur. On avait un analogue de combinaison spatiale, un peu plus saillant que dans les vidéos qu'on vient de voir d'ailleurs. Mais bref, donc on sortait à l'extérieur pour aller faire des missions d'exploration, de géologie et autres. Et donc, quand on revenait, c'est à ce moment-là peut-être qu'on sentait un peu l'odeur de l'habitat. Et nous, on avait un problème pendant notre mission qui était avec les toilettes sèches. Parce qu'en fait, on avait justement, parce qu'on économisait l'eau au maximum, on en avait très peu, et donc on avait des toilettes à compost. Où en gros, on s'assoit, on fait ce qu'on a à faire, puis ça tombe dans une espèce de tambour où des microbes vont transformer les déchets métaboliques en espèce de compost. Sauf que ça, c'est la théorie. En pratique, ça marchait pas très bien. Les microbes Ah. n'étaient pas très heureux. Et donc, en fait, quand on ouvrait le tiroir dans lequel on devait avoir un compost inodore, on avait une espèce de bouillie à moitié liquide Ouais. et qui sentait très très fort. D'ailleurs, on devait aller nettoyer ce truc et ça ressemblait un peu à une mission de géologie, quoi. Je vous passe les détails, mais bref, ça, c'était pas très hygiénique. Et évidemment, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. Donc, vous imaginez un dôme de 11 mètres de diamètre avec quelqu'un qui est en train de récurer une toilette dans laquelle on a un tiroir entier de déchets avec des grumeaux, etc. Donc ça sentait évidemment très fort dans tout l'habitat, quoi. Ouais, j'imagine. Mais ouais. Mais c'était Ok. les seuls. C'était pas vraiment une nuisance, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait juste, voilà, les jours où on nettoyait les toilettes, bah, là, ça en pestait vraiment. Le reste du temps, c'est une odeur qu'on sentait peut-être quand on revenait d'une mission à l'extérieur, mais après quelques minutes, on la sentait plus. Et puis. Parce que du coup, alors, je prends une question qui est dans le chat. On nous demande, en termes de survivabilité, quelles sont les idées innovations pour permettre la génération de ressources de base? O2, nourriture, électricité et leur recyclage. Est-ce que vous avez des pistes de réponse là-dessus? On en a beaucoup, je crois. On en a beaucoup. Sur tout ce qui est génération d'oxygène ou de vapeur d'eau, on a quelque chose qui est formidable, c'est les plantes. Si on part sur les organismes biologiques, Cyprien, je te laisserai parler de la beauté des microalgues. Et ensuite, on a bien sûr des systèmes comme ce qui est utilisé sur la station spatiale à l'heure actuelle, des systèmes physico-chimiques avec des réactions chimiques qui vont capturer le CO2. Et ensuite, on a donc ce qu'on appelle un réacteur de Sabatier. On fait réagir du CO2 avec de l'hydrogène, on produit du méthane et de l'eau. Et ensuite, on fait une réaction d'électrolyse de l'eau pour séparer l'eau en hydrogène et oxygène. Et donc, comme ça, on a renouvelé, en fait, notre air à l'intérieur de la station. Pour ceux qui font un peu de chimie, vous aurez remarqué que le bilan de masse n'est pas complet si on fait réacteur de Sabatier et électrolyse. Il y a une perte de masse parce qu'on ne fait rien du méthane à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un système qui est testé à l'heure actuelle sur la station, qui permet de renouveler un petit peu l'air. Sinon, il y a des sur la station spatiale internationale, on a le recyclage de l'eau qui fonctionne très bien. Il y a plus de 90% ou près de 90% de recyclage de l'eau, donc l'eau urine et eau qui se trouve dans l'air, hein, par la respiration et la transpiration des astronautes. Donc là, on arrive à récupérer tout ça et avec centrifugeuse et membrane en tout genre, on arrive à purifier l'eau et avoir de l'eau potable pour les astronautes. Okay. Ça, c'est ce qui est testé maintenant, donc sur la station spatiale internationale, donc en apesanteur, en orbite terrestre. On n'a pas de recyclage des déchets sur la station pour l'instant. Il y a plein plein de plans qui existent et si tu veux embrayer Cyprien pour la suite des travaux. Ouais, bah déjà, j'ai une remarque sur la réaction de Sabatier. Le méthane, on peut aussi l'utiliser comme source d'énergie. Que ce Ouais. soit pour faire par exemple, du carburant pour un module de décollage pour rejoindre par exemple un vaisseau en orbite quand on veut revenir, ou pour des véhicules ou pour d'autres choses. Donc le méthane, on pourrait l'utiliser comme source d'énergie. Il y a l'énergie solaire,
même si c'est un peu moins que sur Terre, c'est-à-dire qu'on a à peu près 43% du Soleil qui arrive en de l'atmosphère et après encore moins à cause du sable qui est transporté par la poussière qui est transportée par le vent. Après, il y a de l'eau aussi qu'on peut récupérer. Alors, bon, une façon d'utiliser l'eau, ça serait utiliser de ramener de l'hydrogène et ensuite de faire de l'eau comme Lucie en parlait. Une autre façon, ça pourrait être de récupérer de l'eau de l'atmosphère en la refroidissant. Parce qu'en fait, il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. On peut la refroidir et la compresser et avoir de l'eau liquide. On peut aussi récupérer de l'eau qui est dans les minéraux en les chauffant. Il y a de la glace au pôle. Il y a aussi a priori de la glace dans le sol. Voilà, donc il y a de l'eau. Après, c'est une question de quelle est la manière la plus efficace de la récupérer. Et après, pour tout ce qui est nourriture, oxygène, etc., on pourrait utiliser la biologie. Et en fait, sur Mars, il y a à peu près tous les atomes dont on a besoin pour faire pousser des organismes vivants. C'est-à-dire qu'on a du carbone et de l'azote dans l'atmosphère. On a de l'eau sous différentes formes, et puis on a tous les éléments métaux dont on a besoin, donc le calcium, le magnésium, etc., dans le régolithe. Ok. Maintenant, la difficulté, je termine rapidement. Vas-y, vas-y. La Ça... difficulté, c'est qu'a priori, ces éléments sont pas sous une forme que la plupart des organismes vivants peuvent utiliser. Les atomes ne sont pas combinés de la bonne façon. Et une des choses qu'on fait dans mon laboratoire, justement, c'est essayer de transformer ces ressources avec des microbes. Des microbes qui ont un métabolisme particulier, notamment des cyanobactéries, qui pourraient transformer les ressources brutes de Mars en des éléments qu'on peut utiliser pour nourrir des plantes ou d'autres microbes intéressants. D'accord, ok, ça marche. Ça me Après, permet. Alors, Arthur, vu que la question, vas-y, c'était aussi vas-y. sur le recyclage. Donc, Ouais. juste une petite, un petit ajout sur le recyclage des déchets, parce que du coup, on n'en a pas trop parlé là. Mais il y a le projet Mélissa de l'Agence spatiale européenne qui dure depuis plus de 30 ans maintenant sur avoir une boucle fermée pour permettre justement d'avoir un recyclage dans les. Pour les missions longue durée, qui est entièrement basée sur des organismes biologiques. Bon, pas seulement, mais les organismes biologiques sont ceux qui ont les fonctions principales. Et donc, c'est utiliser, prendre les déchets métaboliques de l'équipage et les transformer avec différentes bactéries qui recréent finalement ce qui se passe dans la nature. Et en utilisant ces bactéries, on arrive à enlever toutes les toxines de ces déchets et les avoir en forme simple qui peuvent être données à des plantes et à des microalgues comme les cyanobactéries qui peuvent les utiliser comme ressources et ainsi donc faire la photosynthèse, produire de la nourriture, recycler l'air, etc. Ça Donc je voulais marche. juste voilà sur le traitement des déchets, il y a ce genre Mais tu fais de bien. projet qui existe et on a et après il y a nous on a tout un truc tout un pan de recherche au Kennedy Space Center qui s'appelle Trash to Gas, où OK. là, on sait utiliser les déchets des astronautes, les brûler à certaines températures pour récupérer exactement les éléments qu'on veut récupérer. Parce que quand on brûle des déchets, suivant la température de combustion, on va pas récupérer les mêmes éléments. Et d'ailleurs, cette expérience Trash to Gas, on l'a fait pendant High Seas aussi, pendant ma mission, parce que on avait une des participantes qui était dans ce projet. Donc, on a étudié un petit peu toutes les sortes de déchets qu'on produisait pendant cette mission, en quelle quantité. Et ensuite, ils ont reproduit ça ici au Kennedy Space Center, ils les ont brûlés, ils ont vu ce qu'on avait en sortie. Voilà. D'accord, ok. Bah, merci pour les précisions. Ça va me permettre d'enchaîner sur les prochains extraits puisqu'on a parlé de nourriture. Donc on a deux extraits qui sont hyper connus du film du coup Seul sur Mars qui est sorti en 2015 de Ridley Scott. Donc je vais vous les passer. Vous avez donné quelques éléments de réponse, mais ça vaut toujours le coup de les revoir. Service mission here was supposed to last 31 sols. For redundancy, they sent 68 sols worth of food. That's for six people. So for just me, that's gonna last 300 sols, which I figure I can stretch to 400 if I ration. So I gotta figure out a way to grow 3 years worth of food here on a planet where nothing grows. Donc celui-ci,
Et donc, si je paraphrase le film derrière, il va aller récupérer donc les déchets, les excréments de ses différents, collègues partis sans lui, l'ayant abandonné, le pensant mort sur la planète. Et donc, on a pareil un mini extrait de qu'est-ce qu'il en fait. Alors, je pense qu'on voit où ça va derrière. Lucie, toi, tu travailles sur la production de nourriture dans l'espace. Qu'est-ce que tu peux nous dire des extraits là qu'on a pu voir? Est-ce que ça fait sens avec ce sur quoi tu es en train de travailler? Alors, il y a des bonnes idées, ça c'est sûr. Mais si tout avait été fait comme ce qui est montré dans le film, ça n'aurait pas fonctionné aussi bien. Alors déjà, il y a un problème de lumière. Ouais. Parce que la lumière dans le dôme, en fait, n'est pas suffisante pour faire pousser les plants de patates comme ils ont poussé. Il faudrait beaucoup plus de lumière que ça. Donc nous, ce qu'on étudie ici au labo, c'est des lumières avec des diodes électroluminescentes et différentes longueurs d'onde, différentes combinaisons de longueurs d'onde. Sur Mars, on pourrait imaginer avoir aussi des diodes électroluminescentes et de la lumière solaire. Le problème de la lumière solaire sur Mars, on l'a dit, je crois, au début, c'est qu'on a seulement 40% de la lumière solaire, enfin, par rapport à ce qui arrive sur Terre, la lumière qui arrive sur Mars, la lumière du Soleil, c'est 40%. Donc, c'est beaucoup moins. Et on a aussi les tempêtes solaires les tempêtes de poussière qui obscurcissent le ciel martien régulièrement. Donc, l'option diode électroluminescente, donc lumière électrique, ce serait plus plausible pour ce genre de situation. Ensuite, D'accord. l'autre souci, c'est qu'il mélange directement donc, du régolithe avec les excréments. Et le régolithe martien contient certaines substances qui ne seraient pas compatibles avec la croissance des plantes. Alors déjà, la région dans laquelle il se trouve Mark Watney, c'est Acidalia planitia. Et Acidalia planitia, c'est une région donc, très plate, comme son nom l'indique, parce que c'était un ancien océan martien. Un ancien océan martien où les chercheurs ont trouvé beaucoup de potassium. Et le potassium est souvent associé à du sodium. Et donc, s'il y a beaucoup de sodium, enfin, s'il y a beaucoup de potassium, il y a beaucoup de sodium. Et en regardant un petit peu les données des sondes, on s'aperçoit que la région où il est, c'est une région où il y a probablement 10% de sodium dans le sol, donc de sel. Et donc, faire pousser ces patates avec 10% de sodium dans le sol, ça serait pas possible. Ensuite, il y a le problème des perchlorates. C'est ce qu'on trouve dans le régolithe martien, donc perchlorate, qui pourrait s'apparenter à enfin, perchlorate, hein, il y a du chlore dedans, donc on n'est pas encore au niveau de Javel, mais on n'en est pas loin. D'accord. Donc là, pareil, c'est pas compatible avec la croissance des plantes. Donc ce qu'il faudrait, c'est enlever en fait tous ces minéraux-là du sol martien, du régolithe martien, avant de pouvoir faire pousser les plantes. Et la dernière chose, c'est que de mélanger directement des substances, enfin, voilà, des déchets organiques comme ça, des excréments humains avec le régolithe, ça induit un risque de propagation de pathogènes. Là, il est tout seul et s'il ne fait pas ça, il va mourir de faim. Donc, on peut bien sûr faire la balance risque-bénéfice. Par contre, je ne le conseillerais pas si il y a plusieurs personnes. Et pour du long terme, parce que là, si voilà, on peut avoir un gros problème sanitaire très vite en D'accord. faisant ça. Ok, Voilà. ça marche. Donc il y avait de l'idée, Il y a mais c'est pas encore ouais. ça. Il y a l'eau aussi, voilà. Il faut énormément d'eau et a priori, C'est vrai il n'en a pas produit assez. C'est ça. Il nous montre un peu plus loin sa manière à lui de récupérer de l'eau et ça semble effectivement pas suffisant. On va retourner sur vos missions à vous en partant une nouvelle fois donc d'un extrait de Seul sur Mars que je vais vous montrer juste ici, qui me semble intéressant. Alors.
de Montréal. Donc là, il vient d'être abandonné et il commence à renettoyer en fait la base dans laquelle ils étaient. Et l'une des premières choses qu'il fait, c'est nettoyer des panneaux solaires. Au niveau de l'énergie, est-ce que vous étiez alimenté, vous, en panneaux solaires sur la base? Est-ce que c'était votre seule source d'énergie ou est-ce que vous en aviez d'autres? Alors, ce n'était pas la seule, c'est notre source principale. Mais on avait aussi de l'hydrogène qu'on pouvait utiliser en cas d'urgence et on avait un peu de propane avec un générateur à propane. Mais en quantité limitée, donc c'était vraiment pour les urgences. Parce que le problème, c'est qu'à Hawaï, on n'a pas de tempête de sable, de poussière comme on peut avoir sur Mars, mais on a des ouragans qui sont passés pas loin et donc le ciel pouvait être très couvert pendant très longtemps et donc on se retrouvait sans électricité. Alors on avait un peu de propane, on l'économisait au maximum, et donc il y a des journées où on ne pouvait pas cuisiner, on devait manger alors en plus on avait de la nourriture lyophilisée. Donc on essayait de réhydrater des morceaux de jambon lyophilisé, des légumes lyophilisés, etc. avec de l'eau froide. D'accord. Et puis on ne pouvait pas utiliser le tapis de course, qui était un peu notre façon de faire du sport. Mais voilà, on pourrait répondre à la question, c'était surtout des panneaux solaires. D'accord, ok, ça marche. Et j'imagine que du coup, t'essayais pas de recréer des tempêtes de sable et de couvrir tes panneaux solaires toi-même avec du sable martien, quoi. Non, on avait suffisamment de problèmes pour pas être tenté d'en créer de nouveaux. Ça marche. Alors, un autre petit extrait. Alors, cette fois-ci de Space Force, que je vais vous diffuser. Et ensuite, on a quelques questions dans le chat qu'on va pouvoir prendre. Hop. There's a treadmill for that. I prefer the open room. Non, parce que ça, l'intérieur de ça, ça ressemble quand même pas mal à votre dos, intérieur. Ouais. Alors nous, on avait une mezzanine en plus, mais c'est vrai que c'était les parois ressemblaient à ça. Alors justement, là, l'idée de cet extrait, c'est de parler un peu de la proximité. On a l'impression vraiment qu'on vit dans un espace réduit. Comment ça se passe, les interactions sociales pendant un an dans un espace aussi réduit? Comment est-ce qu'on fait pour pas avoir envie de se taper dessus au bout d'un an? Eh ben, c'est vrai que le problème est un peu problématique. Parce qu'on a, en fait, on a que les chambres pour s'isoler, mais les chambres, elles ont une isolation sonore qui est très très mauvaise. Et du coup, à n'importe quel moment, juste en écoutant, on pouvait toujours savoir où était chaque équipier, ce qu'il faisait. Et donc, on était toujours entouré, en fait. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi isolé, aussi entouré que pendant notre année en isolement. Et donc, quand il y avait des tensions, on ne pouvait pas s'échapper. On ne pouvait pas aller marcher tout seul pendant un moment, on ne pouvait pas appeler un ami, parce qu'on n'avait aucune communication en temps réel. Et on devait vivre et travailler avec les équipiers, quoi qu'il arrive. Donc évidemment, ça demande un peu de préparation. On a appris un peu aussi à crever les conflits avant qu'ils gonflent trop. On a eu des techniques justement de gestion des conflits. On a parlé en avance de tout ce qui pourrait poser des problèmes. Si par exemple quelqu'un disait, je sais pas, moi si je vois des chaussettes sales traîner par terre, ça me hérisse. Voilà. Et ben on savait qu'il fallait faire attention à ça. Et on a appris un peu comme ça en avance à ne pas taper sur les nerfs de ce qui est. Ok. Lucie, est-ce que toi, tu as des retours de ta mission? Bon, on avait un peu la même stratégie. Après, sur 4 mois, je pense qu'on arrive un peu plus à prendre sur soi et en se disant, dans 4 mois, c'est terminé, s'il y a quelque chose qui nous dérange vraiment. Mais on avait aussi cette stratégie d'aller désamorcer les conflits avant qu'ils ne deviennent trop gros. Et c'est ce qu'on a suivi tout le temps. Après, on avait aussi la stratégie de faire énormément de blagues. De blagues, alors que ce soit sur des jeux de mots ou vraiment des blagues. Les gens vont en sortie et rentrent et leur chambre est sans dessus-dessous. Il y a le canapé à l'intérieur. Enfin, voilà, ce genre de choses. Qui en fait... nous faisait rire parce que ça nous faisait un petit changement dans la routine principalement. Mais voilà, donc on n'a pas eu de conflit majeur, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qui peuvent vite agacer. D'ailleurs, moi, il y a une chose qui m'avait un petit peu énervée à un moment, mais voilà, on en a parlé
ça a vraiment duré que quelques jours. Ça revient ce que Cyprien disait à propos du fait qu'on était vraiment les uns sur les autres. C'est que donc ma collègue, comme je l'ai dit, elle étudiait les poubelles en fait, de notre habitat et elle avait pour habitude de se lever assez tôt et à 6 heures du matin, elle vidait les poubelles. Sauf qu'en fait, la poubelle, elle était juste en dessous de ma chambre et il y avait la petite aération qui était donc en dessous, enfin au niveau de ma tête de lit et qui avait donc la poubelle juste en dessous. Et donc, régulièrement, je me faisais réveiller par une odeur de poubelle. C'est même pas le bruit qui me réveillait, c'était vraiment l'odeur de poubelle. Et donc, ça, c'est arrivé, je sais pas, 2-3 matins de suite. Et donc, après, je lui avais dit, est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Est-ce que tu peux te décaler, s'il te plaît? Mais voilà, c'est bien passé. Non, on sent encore maintenant que... que c'est resté. C'est un peu resté. Mais ouais, juste peut-être un autre détail là-dessus, c'est il y a ce qu'on appelle les micro-stimuli aussi. Il y a un phénomène qui est... En fait, dans l'émission longue durée, justement, on est confinés ensemble. C'est des petites choses qui, normalement, dans la vie de tous les jours, on ne remarquerait même pas. Enfin, quelqu'un qui a tourné son stylo, par exemple, qui agace un petit peu, normalement, c'est pas un problème. Mais si on est 24 heures sur 24 ou au moins 12 heures par jour avec cette personne et qu'il a toujours tourné son stylo ou qu'il a un tic de langage ou ce genre de choses, ça peut mener des gens à vraiment exploser. C'est-à-dire, ça peut se transformer en rage et puis il y a des choses qui paraîtraient complètement absurdes de l'extérieur. Genre quelqu'un qui se met, une personne qui se met à hurler sur une autre pour quelque chose d'aussi ridicule. Mais en fait, c'est quelque chose qui s'est accumulé au fil des mois. Donc c'est une chose aussi où... Ouais. C'est une très bonne transition vers le prochain extrait que j'allais vous diffuser et qui peut répondre à certaines questions qui se posent dans le chat. Donc, toujours sur Space Force. What are you guys up to? Feeling survey. What? I thought you said feeling survey. Donc, alors ça répond. Alors, il y a une question qui est en lien justement dans le chat où Poppins nous demande est-ce qu'il y avait des conseillers psychologiques qui étaient disponibles pour que vous puissiez vider votre sac, même avec une communication avec du délai. Et du coup, moi, ma question que je vais vous poser aussi derrière, c'est comment est-ce que vous communiquiez? Est-ce que vous aviez Internet? Est-ce que vous aviez le téléphone? Comment ça se passait? On n'avait que des emails, enfin, que de la communication écrite. Et des emails qui passaient par un système qui avait un délai de 40 minutes. Et pas de communication directe du tout. Et pour répondre à la question sur le conseiller psychologique, nous, pendant les 4 mois, on n'avait pas quelqu'un dédié à ça, mais on avait notre médecin d'équipage, enfin le médecin qui n'était pas avec nous, hein, le médecin de l'équipe, qui pouvait avoir ce rôle-là si on en avait besoin. D'accord. On avait un de nos membres d'équipage, j'avais presque oublié, un de nos membres, qui était un psychiatre de formation. Mais c'est pas possible d'avoir un des membres de l'équipe qui s'occupe du bien-être psychologique de toute l'équipe. Il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur. D'accord. Ok, ça marche. Je reprends quelques-unes des autres questions. Il y en a une qui est intéressante, c'est par rapport aux missions martiennes, est-ce que vous savez si dans un futur même lointain, il est prévu d'envoyer des animaux d'élevage ou non? Est-ce que c'est une option qui est prévue ou pas du tout? Dans un premier temps, des êtres humains. Et déjà. Puis après, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Quoi. C'est-à-dire peut-être quand les bases commenceront à devenir plus grandes, on pourra envisager d'avoir des... Oui, alors après, est-ce que ce serait des animaux de compagnie pour aider psychologiquement? Après, envoyer des animaux pour faire de la nourriture, je pense que... C'est pas une priorité, si vous voulez. Vu qu'on essaie d'économiser les ressources au maximum et qu'on n'a pas besoin d'animaux, de consommer des animaux, je pense que ça va pas arriver tout de suite. Après, peut-être des insectes ou des petits animaux de genre là comme source de protéines, c'est possible que ça arrive un jour. Mais en tout cas, on n'en verra pas une vache dans les ouais. décennies qui viennent. Quoi. Ça serait absurde. Le problème des animaux aussi, c'est que quand on a très peu de contact avec l'extérieur comme ça, ils deviennent vite des animaux de compagnie, même si, même s'ils sont là pour être mangés. Et donc ça pose problème. Il y a eu le cas, je crois, c'était sur Mir, où il y a des cailles qui ont été envoyées. Et l'idée, c'était de manger les œufs de cailles et ensuite de manger les cailles.
mais les cosmonautes n'ont pas pu manger l'écaille. C'était leur animal de compagnie. Enfin, leurs animaux de compagnie, il n'y en avait plus. Oui, il y a eu de l'attachement qui s'est créé. Et... D'accord, ok, je comprends. Parce que ça reprend une question, parce qu'on a posé une question à nos publics avant de faire ce petit live avec vous sur qu'est-ce que vous emmèneriez si vous étiez, si vous deviez partir dans l'espace et a fortiori si vous deviez partir sur Mars. Et donc les réponses qui sont revenues le plus souvent, c'était des photos de famille, vraiment des photos des proches. On a eu aussi beaucoup de livres, vraiment de la lecture à foison. Et certains ont quand même dit qu'ils voulaient du coup emmener leurs animaux de compagnie. Donc c'est vraiment une question qui se pose et qui revient assez souvent. Ça me permet d'embrayer avec une question de le geek qui nous demande « Est-ce que vous aviez des restrictions sur le volume des données transférées au sein de votre habitacle martien en longueur de mail, pièces jointes éventuelles ?» Et ce qui me permet, moi, d'enchaîner avec ma question, est-ce que vous aviez un objet personnel que vous avez pu emmener en dehors de tout cadre, on va dire, professionnel ? Alors, je vais commencer. Bah, bonjour, le geek, d'ailleurs. Alors, si je me souviens bien, à Hawaï, on n'avait pas de restrictions, pas de règles strictes sur la taille des emails. Après, évidemment, la grosse contrainte, c'était le délai. C'est-à-dire qu'un email mettait 20 minutes à arriver et la réponse mettait ensuite 20 minutes à revenir. On n'avait pas non plus Internet en dehors de ça. C'est-à-dire que c'était une messagerie qui était... on avait accès seulement à cette messagerie. Et après, pour ce qui est des objets personnels, oui, moi, j'avais amené un ukulélé. Alors que c'était pas prévu, en fait. C'était vraiment le dernier jour avant d'entrer dans le dôme. Un de mes coéquipiers voulait acheter un ukulélé, il n'était pas sûr. Je dis, bon, allez, on l'achète ensemble. Du coup, on avait un ukulélé en garde partagée. Et au début, je n'y jouais pas du tout, quoi. Il était là, etc. Puis un jour, je l'ai pris, j'ai fait un accord. Et puis, peut-être un mois après, je l'ai repris. Et puis, j'ai commencé à y jouer, à en jouer de plus en plus souvent. Et à la fin, j'en jouais tous les jours. Et je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est-à-dire que c'était vraiment une coupure, quoi, parce qu'on est obligé d'être concentré, c'est un peu méditatif, on ne peut plus penser à tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et je pense que ça m'a énormément aidé psychologiquement. Et en plus, pour Mars, c'est parfait parce que c'est petit, c'est compact. Je veux dire, évidemment, on ne pourrait pas emmener un orgue ou quelque chose de ce genre-là. Et c'est... Voilà, le seul inconvénient, je pense, c'était pour mes coéquipiers qui devaient subir mes morceaux, mais ouais, c'est, je pense, alors, ça, et puis je crois que c'est le seul, j'en ai une carte postale aussi que ma petite sœur m'avait offerte, Noël d'avant, et puis des livres, ouais. D'accord, ok, ouais. Donc ça c'est une possibilité. Bon, ukulélé, après ça va, hein. En termes d'instrument qui fait, on va dire, de mauvais sons, même si tu sais pas en jouer, c'est supportable. Quelqu'un qui aurait amené un saxophone, je suis pas sûr que ça aurait été, que ça aurait été vraiment plaisant. Ou un violon. Violon, c'est pas mal sur l'échelle. Et toi, Lucie, du coup, est-ce que tu avais pu emmener un truc en particulier ? Moi, oui, j'avais amené des livres aussi, beaucoup. Notamment, j'avais un Kindle, ce qui m'a permis d'amener énormément de livres pour pas beaucoup de poids. Et donc, j'ai pu lire seul sur Mars depuis mars. Ça, c'était chouette. Et j'ai amené pas mal de lettres de ma famille et de mes amis aussi, qui m'avaient envoyé juste avant que je parte, avec des dates d'ouverture sur les enveloppes. Mmh. Ou si ce n'était pas des dates d'ouverture, c'était pour les jours où ça ne va pas trop, ou alors pour les jours où ça va. Enfin, voilà. Donc j'avais pas mal de choses comme ça, c'était chouette. J'avais aussi des lettres à ouvrir, des dates précises. On vous a donné, ouais, comme ça, histoire de baliser un peu le temps aussi, j'imagine. Parce que... Ouais. Mais c'est... Oui, vas-y. C'était un conseil qu'on nous a donné des organisateurs, en fait, de la mission. Ils ont dit, si vous pouvez amener des lettres de votre famille et de vos amis, faites-le. D'accord. Ok, ça marche. Alors, je regarde juste... Je vais regarder Marie. Est-ce que Marie, tu as pu avancer un petit peu sur la base ? Est-ce que tu veux qu'on montre ta base ? Alors oui, on peut montrer des choses. Après, j'ai pas forcément, je vais vous expliquer, mais on peut montrer si. Ok, ça marche. Alors, du coup, je fais juste un mini,
un mini technique, histoire qu'on puisse te voir et que tu puisses nous faire ton partage d'écran en même temps. Alors, toc, je te laisse nous partager ton écran et on va pouvoir voir ça. Moi, j'arrête le mien. Ok, alors, toc, je te... On met les choses à peu près bien. Vas-y. Est-ce que C'est c'est tout bon, normalement on te voit et tout, il y a pas de souci. bon? Alors, du coup, je suis désolée, Cyprien et Lucie, parce que j'ai pas eu assez d'informations pour vraiment faire quelque chose, dans le sens où la seule info que j'ai eue, c'était qu'il fallait pas que ce soit vraiment un dôme, il fallait que les modules soient connectés, qu'il y ait un sas d'entrée et de sortie. Du coup, je vais vous montrer là, un exemple de. En fait, il y a 2 mois, début janvier, on a fait un atelier avec des enfants. Donc, ils avaient entre 7 et 12 ans. Et ils ont modélisé sur Tinkercad leur base martienne. Donc, c'était un atelier de 2 heures. Et ils étaient vraiment en autonomie, chacun devant leur ordi, en train de faire leur base. Et du coup, je les aidais aussi. On a parlé de Mars, etc. Et donc, ça, c'est la proposition de Thomas et Benoît. Donc, voilà vraiment ce qu'ils avaient imaginé. Et c'était au centre, c'était le centre de la base. Donc, il y avait une entrée, là je peux vous zoomer avec une petite porte et des petits boutons, un sas pour vraiment pouvoir rentrer à l'intérieur. Il y avait un espace central où là on était en communauté, c'était un espace de travail aussi. Et après les longs tubes là que vous voyez, c'était les différentes cabines, donc les espaces où les astronautes, les scientifiques pouvaient dormir et il y avait des panneaux solaires pour alimenter en énergie la base et une citerne pour l'eau qui était semi-enterrée, ainsi qu'un tout petit espace pour faire pousser des végétaux. Est-ce que ça vous fait réagir cette base-là ou... Bah ouais, enfin déjà c'est très bien fait. Je dirais il y a de l'eau, il y a de quoi dormir, il y a de quoi faire pousser des plantes, les panneaux solaires, le sas à l'entrée. Alors il y aurait des petites choses peut-être à changer pour survivre. Par exemple, ça serait bien d'avoir la possibilité d'avoir 2 points de sortie pour chaque module au cas où, parce que là par exemple, imaginons que la partie principale ait un problème de dépressurisation, et ben on est coincé dans les chambres. Alors, ça serait bien d'avoir des jonctions entre les différentes parties pour avoir toujours 2 points d'entrée ou de sortie. Après, bon, il faudrait peut-être un peu plus de protection contre les radiations. Alors, évidemment, là, on ne voit pas de quoi sont faits les murs. Il y a peut-être des couches de radiation en dessous auxquelles ils ont pensé. S'il n'y en a pas, il faudrait peut-être rajouter un peu de protection. Je pense que niveau eau, on n'a pas l'échelle. Alors, il y a peut-être suffisamment d'eau. Les panneaux solaires sont peut-être un peu petits. Parce que, comme on disait, il n'y a pas énormément de... Enfin, les radiations solaires sur Mars, c'est plus faible que sur la Terre, et donc il faudrait des panneaux un peu plus grands. Voilà, mais enfin, dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal fait. Ouais, c'est vraiment super. Ouais, peut-être par rapport au point de sortie, même. Donc, il y a les 3 modules reliés entre eux. Ouais, faudrait. Ouais, soit les relier tous au dôme central et avoir une sortie sur chaque module. Mais ouais, si on les laisse comme ça, si par exemple on est dans la chambre du fond, ou le module du fond, je sais pas ce que celui du milieu brûle ou est dépressurisé, on est vraiment bloqué. Donc ça c'est, mais sinon c'est super parce que voilà, il y a plusieurs modules, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça qui est important, avec tout ce dont on a besoin. Nickel. Ok, mais top. Ok, super. On pourra leur dire que la base a été reviewée en live. Ils ont toutes les pistes d'amélioration Ouais. pour. Et si jamais j'en ai 2 autres que je pourrais vous montrer plus tard, avec plaisir. Yes. Ça marche. Bah on revient vers tes bases tout à l'heure, Marie. Alors, je retourne sur un petit partage d'écran. Tac. Fais ça bien. Hop. Alors normalement, ça devrait fonctionner. Si ça fonctionne pas, ça va revenir. On change d'écran en attendant.
Alors, Bédalmas nous demande, je prends les questions dans le chat puisqu'elles arrivent, elles arrivent en même temps, est-ce que vous aviez besoin de repères comme des lettres pour garder la notion du temps? Au bout de combien de temps on perd la notion du temps? Ce qui est intéressant, c'est, alors avant que vous commenciez à répondre, c'est de dire que peut-être le jour terrestre et le jour martien sont diffèrent de 40 minutes, si je ne me trompe pas, c'est ça? À peu près, ouais. Même personne, on est dans le même environnement. Alors, je suis Et donc. désolé, Lucie, on est en train de me dire qu'on n'avait pas le son. Ah. Et On là, vous n'avait pas l'avez? ton son. Et là, c'est bon. Normalement, le son est revenu. D'accord. Ok. Bon, donc je recommence. Donc ce que je disais, c'est que voilà, j'ai pas vraiment perdu la notion du temps pendant la mission. Et je ne sais pas si on a entendu quand je disais qu'on était à l'heure terrienne et pas à l'heure Non, on n'avait martienne. pas entendu, ouais. Voilà, donc on était sur 24 heures, on n'était pas sur 24 heures 40 minutes. Et en fait, donc ce que je disais, c'est qu'au début, tout est un petit peu nouveau, on a des très bons repères temporels, on sait que tel jour, on a essayé tel équipement, ensuite on a fait une sortie, voilà. Tout est nouveau, donc on s'en souvient bien. Et puis plus le temps passe, plus les jours se fondent un peu les uns dans les autres, on est toujours avec les mêmes personnes, dans le même environnement. Et donc moi, ce dont je me suis aperçue à peu près vers le milieu de la mission, donc 2 mois, hein, puisque j'étais sur une mission de 4 mois, c'est que j'avais du mal à me souvenir de quand les événements s'étaient produits. Donc je savais qu'ils s'étaient produits, mais quand j'essayais de m'en souvenir, j'avais du mal à savoir si c'était 3 jours avant, une semaine avant, 2 semaines avant, parce que tout se ressemblait tellement, et j'avais pas de marqueurs temporels forts qui venaient distinguer en fait les jours. J'avais pas un jour où je me disais bah oui bien sûr c'était mercredi parce que je suis allée prendre un café avec Fanny. J'avais pas ça. Tous les Ouais. jours en fait c'était la même routine quasiment, les mêmes personnes et voilà. D'accord. Cyprien. Bah exactement. Enfin, j'aurais dit presque exactement la même chose. Mais c'est vrai que quand tous les jours se ressemblent, quand tout est dans le même décor, on a du mal à se situer dans le temps. C'est-à-dire que avant, je me dis, ok, alors quand est-ce que je suis allé à tel endroit? Ah oui, c'était juste avant que j'aille au ciné voir Seul sur Mars. Et avant mon voyage à Prague, et donc c'était en décembre dernier. Ou alors, ah oui, c'est quand j'ai vu mes cousins, donc c'était Noël. Quand tout ce dont on se souvient, quand toutes les images qui nous viennent en tête, c'est bah, j'étais dans un dôme blanc et je mangeais des cubes de jambon réhydraté, c'est très très dur de se situer. Et Mais les souvenirs se mélangent, quoi. En plus, à Hawaï, il n'y a pas vraiment de saison. Et donc, voilà, on a beaucoup beaucoup de mal à situer les souvenirs. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est de garder un espèce de journal de bord. Alors, c'était pas un cher journal bien rédigé, mais c'était genre un tableur Excel avec chaque jour. Bah, aujourd'hui, j'ai fait ça, il s'est passé ça, j'ai fait telle expérience, j'ai eu telle nouvelle, etc. Et parfois, j'allais consulter mon journal et je me disais, ah, mais c'est vrai, oui. J'avais fait ça un moment et j'avais complètement oublié. Ou alors, ah, c'était il y a 3 mois, mais j'ai l'impression que c'était il y a une semaine. Et sans ce journal, j'aurais vraiment beaucoup de mal après à trier mes souvenirs, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est quelque chose qui était vraiment frappant. Et je pense que c'est quelque chose que les gens qui n'ont pas participé à des missions comme ça ont peut-être expérimenté l'année dernière pendant les longs confinements où là, on pouvait vraiment pas sortir de chez soi et tout se ressemblait un petit peu. Ça, c'est peut-être des choses que vous tous ce soir avez expérimenté au cours de la dernière année. Ça allait être un peu tu as anticipé un peu ma question. Parce que, alors, il y a une question également du geek, toujours, qui demandait si une nouvelle opportunité se présentait, est-ce que vous seriez prêt à refaire l'expérience d'un isolement prolongé, coupé du monde?
Alors ça, c'est sa question. Et moi, ma question qui venait avec, justement, c'était par rapport au confinement que nous avons pas choisi pour le coup, mais plutôt subi. Est-ce que vous observez des différences, puisque vous avez été également confiné, entre votre isolement choisi lors de cette mission-là et le confinement que nous, on a pu vivre ces derniers mois et que vous avez pu vivre aussi ces derniers mois? Je vais commencer peut-être à répondre à la question de est-ce Ouais. qu'on recommencerait à se confiner? Alors voilà, je pourrais difficilement dire non puisque je l'ai refait un an après. Alors c'était pas la mission IS-4, mais je suis parti un an en Antarctique sur la base Concordia où on était aussi confiné et encore plus isolé parce que 9 mois par an la base est inaccessible, entre autres parce que les températures peuvent descendre jusqu'en dessous de moins 80 degrés Celsius et du coup personne ne peut rejoindre la base et personne ne peut la quitter. Donc oui, j'ai eu envie de refaire. Alors c'est pas la même expérience, mais une expérience aussi où j'étais confiné. Et si on me donnait l'opportunité d'aller me confiner sur l'ISS ou sur la Lune ou sur Mars, j'aurais pas d'hésitation, quoi. Après, pour ce qui est du confinement maintenant, c'est vrai que Arthur, comme tu le disais, bah on l'a pas choisi. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même pas. Quand on était à Hawaï, quand t'es ce genre de mission-là, on a vraiment envie d'y aller, on sait pourquoi on le fait. Et donc, on est motivé et voilà, on tient parce que c'est à aucun moment on a envie d'arrêter parce qu'on sait pourquoi on est là et on a une bonne raison de le faire. Quand c'est maintenant et voilà, qu'on ne l'a pas choisi, qu'on ne sait pas trop quand ça s'arrêtera, même si c'est un confinement qui est moins extrême, c'est un confinement qui peut être plus dur à supporter. D'accord. Lucie, si tu veux nous en dire quelques mots. Oui, je suis désolée, il y a des gens qui parlent à côté de moi, donc Ah. peut-être que vous entendez le bruit, c'est pour ça que j'essaie de me mettre en mute. En fait, j'ai donc par rapport au confinement, enfin j'ai commencé par la deuxième partie de la question, tant pis. Donc la grosse différence entre le volontaire et le involontaire, c'est sûr que ça change tout. C'est-à-dire que moi, à la fin de mes 4 mois à Hawaï, on m'aurait dit bah, il faut refaire 4 mois de plus, enchaîner. J'aurais dit OK, pas de problème. Parce que j'ai beaucoup aimé l'expérience. Et c'est moi qui choisissais. Maintenant, l'autre différence qu'on a avec le confinement par rapport à ce genre de mission aussi, c'est que nous, on savait que c'était pour 4 mois, pour un an. Mais là, les confinements qui ont été décrétés l'année dernière, quand ça a commencé, on ne savait pas pour combien de temps on en avait. Ben ça, c'est très stressant, toutes les 2 semaines, d'avoir des mises à jour sur ah ben, vous avez 15 jours de plus, vous avez un mois de plus. Voilà. Ça, c'est très dur de se projeter dans l'avenir quand on n'a pas de date de fin. Quand on a une date de fin et qu'on est là de manière volontaire, c'est beaucoup plus simple de se projeter et de se dire allez, c'est bon, j'ai plus que 2 semaines à tenir, tout va bien se passer. Et pour répondre donc à la première partie de la question, si je serais prête à repartir sur une expérience de confinement, oui, si c'est dans l'espace, avec plaisir. Moi, le premier, je signe aussi. Voilà. Si l'opportunité se présente, avec plaisir. Est-ce que vous auriez un conseil justement à nous donner pour mieux vivre les confinements là qu'on est en train d'avoir? Qu'on est en train d'avoir. Si vous aviez un conseil à nous donner de votre expérience, comment on fait pour tenir? Ce serait quoi le conseil pour se dire qu'on va tenir? On a droit qu'à un seul conseil, t'es vache. Alors, deux si tu veux. Bah, je te laisse commencer celui-ci parce que faut que je choisisse. Donc, Ouais. Voilà, j'avais coupé mon micro parce qu'il y a du bruit autour de moi. Alors, un seul conseil, ça peut être deux ou ben trois, c'est peut-être tout. prenez des nouvelles de vos proches, chose que vous n'avez en général, que vous ne prenez pas forcément le temps de faire. Voilà, si vous d'habitude ne prenez pas le temps de le faire, profitez de ces confinements où on a un peu plus de temps parce qu'on a moins de transport, par exemple, si on est obligé de rester chez soi. Profitez de ce moment-là pour parler à vos proches. Déjà, ça leur fera plaisir, ça vous fera plaisir et ça permettra de se soutenir dans ce confinement qui n'est pas choisi. Je pense que tu as eu ton temps, Voilà. Cyprien. C'est ton moment. Ouais, voilà, un conseil,
c'est un conseil qui va paraître un peu ennuyeux, mais qui, je pense, est très utile, en tout cas, qui m'a été très utile et à d'autres équipiers, c'est de planifier ses journées en avance. Parce que, en fait, quand on n'a pas de signaux extérieurs, ça peut être difficile de gérer son temps. C'est-à-dire que, normalement, bon, le réveil sonne, ok, il faut qu'on soit au bureau à 8h30, il faut qu'on attrape le métro de 7h30, et donc, voilà, on a des signaux extérieurs, on n'a pas le choix, on y va. Et puis après, la journée se termine, et puis on rentre chez soi, et puis on se détend. Quand on est chez soi toute la journée, il faut toujours prendre des décisions. Il faut dire, ok, maintenant, c'est l'heure de travailler, maintenant, je vais déjeuner, maintenant, il faut que je me remette à travailler, et puis on peut être tenté aussi de travailler tout le temps. Ou alors, je pense qu'il y a des problèmes, il y a ceux qui vont, qui vont avoir du mal à s'y mettre, et puis il y a ceux qui vont avoir du mal à s'arrêter, il y a ceux qui ne vont pas en faire beaucoup, mais qui vont avoir l'impression qu'ils devraient travailler. Et le fait de structurer son temps, ça enlève une charge mentale énorme. Parce qu'on dit, ok, il est 8 heures, c'est le moment où je fais ça. Et il n'y a pas besoin de se réfléchir, il n'y a pas besoin de se motiver, il n'y a pas besoin de se dire, ok, mais il faudrait peut-être que je fasse ça. Non, c'est, voilà, on se lève et puis on suit le fil rouge qu'on s'est fixé la veille. Et puis quand on a terminé de travailler, c'est terminé. Et une chose qu'il faut inclure aussi dans ce planning, ce n'est pas seulement les temps de travail, mais c'est aussi prévoir du temps pour soi. Je sais que nous, c'est un des problèmes que j'avais peut-être dans la première moitié de la mission ISS4, c'est que j'étais tout le temps sur mon lieu de travail, il y avait tout le temps des choses à faire, et donc j'avais tendance à travailler du moment où je me réveillais jusqu'au moment où je me couchais. Et ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il faut économiser ses forces, sinon on ne tiendra pas sur la durée. Et j'ai commencé à avoir un planning et puis me dire, pendant une heure et demie, ce jour-là, je vais lire. Ouais. Et c'est très important parce qu'il y a ce qu'on appelle, dans ce genre de mission, il y a ce qu'on appelle l'homéostasie émotionnelle. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez que vous commencez votre journée en forme, vous travaillez dur. Le soir, vous êtes très fatigué. Vous recommencez le lendemain, mais vous commencez un petit peu fatigué. À la fin de la journée, ça sera encore pire. Le lendemain, ça sera encore plus bas, etc., jusqu'à ce que vous soyez complètement crevé et inefficace. Alors que si vous prenez du temps chaque soir pour faire un truc qui vous régénère, alors ça peut être lire un livre, ça peut être parler à quelqu'un, ça peut être regarder un bon film, ça dépend des gens, le lendemain, vous pourrez recommencer votre journée en étant complètement restauré, et ça vous permettra de tenir sur la durée, quoi. D'accord. Et si je ne me trompe pas, c'était un seul conseil, et j'avais droit à deux. Tu avais le droit à deux. Ouais, l'autre, ça serait de ne pas culpabiliser, dans le sens où se dire, c'est normal, voilà, en ce moment, il y a des jours où je suis complètement inefficace, il y a des jours où je n'arrive pas à travailler, il y a des jours où je n'ai pas le moral. Et se dire que c'est normal, on ne l'a pas choisi, il y a le confinement, c'est humain, c'est parfaitement normal de ne pas fonctionner normalement quand on est confiné, quand on est séparé de ses proches. Et il n'y a pas besoin de en plus se culpabiliser et de se dire, il faut être un peu tolérant avec soi-même aussi. Et puis se dire qu'on fera mieux plus tard, quoi. Ouais, chaque jour de passé, de toute façon, c'est un jour de réussite. Donc, il faut tenir sur la longueur. Donc, je retiens ça, marathon. Il y a une question de Nicolas Dédé qui nous demande, est-ce que vous seriez prêt à participer à une expérience comme Deep Time ? Alors, pour les personnes qui sont dans le chat et qui ne connaîtraient pas cette expérience, il s'agit d'une expédition qui a lieu actuellement et qui va durer 40 jours dans une grotte au sein de l'Ariège où 15 personnes vont être enfermées durant ces 40 jours pour qu'on puisse étudier leur cycle, leur synchronisation au sein d'un groupe et voir comment est-ce que le cerveau s'adapte à cette notion de temps puisqu'ils n'auront aucune notion effective du temps. Et la petite info que je peux vous donner en plus, c'est que nous avons un membre de notre équipe rotonde qui fait actuellement partie de ces 15 personnes et qui est actuellement au fond de la grotte. Voilà, ça c'est pour le petit préambule. Maintenant, je vous laisse répondre. Moi, j'aimerais bien. Moi, ça me plairait. ça me plairait. Ouais. C'est différent. Il y a, le fait d'être coupé comme ça de toute lumière naturelle, je trouve que ça apporte vraiment une nouveauté à l'expérience. Il y a 4 ans, j'ai participé à une mission de 2 semaines où on était comme ça, privé de toute lumière naturelle. Et on était aussi un petit peu décalé dans le temps. Et c'était déjà c'était une expérience assez, assez intéressante. Et donc, je pense que 40 jours dans une grotte, moi, ça,
ça me dirait vraiment d'y participer. Ouais, moi aussi. j'aime bien, mais enfin, je pense que Lucie, comme moi, on aime bien se mettre dans des situations un peu inhabituelles et puis voir comment on réagit, quoi. C'est un peu. Ouais, c'est intéressant, quoi, de ce genre de choses. D'ailleurs, de façon générale, le projet adaptation de Christian Clos, dont cette mission la fait partie, parce qu'il y en a, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs missions de ce genre-là. On va voir comment des gens qui sont des gens qui ne sont pas forcément des aventuriers à la base, même si, bon, ils ont peut-être quand même un esprit d'aventure pour se lancer là-dedans, mais des gens normaux qui vont être mis dans des conditions un peu extrêmes. Donc, c'est un projet qui est intéressant, et si j'avais plus de temps. Alors, c'est un peu le problème aussi, quoi. C'est qu'on fait des recherches et donc il faut trouver, faut choisir entre toutes les aventures qu'on pourrait avoir et puis travailler en laboratoire pour avoir des résultats. Mais si j'avais un temps infini, j'aurais été ravi de faire partie du projet d'adaptation. Effectivement, être de toutes les expéditions, ce serait quand même top. Ok, est-ce que Marie, tu aurais une autre petite base à nous montrer? Parce que je vois que l'heure tourne, je pense qu'on... On va pouvoir voir une autre base et voir si d'autres personnes dans le chat ont des questions. Et je pense qu'après, ce sera l'heure de se souhaiter un bon appétit. Pas pour toi, Lucie, c'est ça. Moi, ce sera le goûter. Et ben, un goûter, c'est bien aussi. Mmh. Alors, hop, Marie, je t'affiche à nouveau. Tac. Alors, alors, on a pour l'instant l'ancienne base. Ah, si, c'est bon, ça a changé. Oh, waouh. Du coup, là, on est sur la base d'Elio qui avait confiance en réussir à faire des matériaux assez des radiations. Il a décidé de construire sa base en dessous du plan. Du plan que vous voyez. Et donc, il l'a fait quand même assez profond. Et du coup, en la voyant, je me demandais est-ce que c'est réalisable simplement sur Mars ou est-ce que c'est vraiment de la fiction de creuser aussi profond? Alors là bah, on a pas vraiment d'échelle, mais vu la taille de la porte, je dirais que c'est quand même très profond. Alors déjà, on n'a pas besoin d'être aussi profond, puisque à peu près, ça dépend de la densité de l'endroit auquel on est, etc. Mais en gros, à peu près 3 mètres de régolithe, ça suffirait à avoir une protection qui est plus ou moins équivalent à ce qu'on a sur Terre. C'est vrai que c'est difficile de creuser sur Mars. Après, il y aurait des moyens de le faire, par exemple en utilisant des tunnels de lave. C'est-à-dire que pour ne pas avoir à creuser, ou en tout cas pas à creuser à partir de rien, on pourrait utiliser des tunnels de lave sur Mars. On pourrait aussi envisager de recouvrir les installations de régolithes plutôt que de creuser. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée qu'il a eue d'enfouir l'habitat pour protéger les équipiers des radiations. Oui, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, c'est l'idée qui est choisie dans la série Mars de National Geographic. Je ne veux pas divulgâcher la série pour ceux qui sont en train de la regarder ou qui no envisagent spoil. De la regarder. Mais voilà, ils ont leur base en souterrain avec un système d'ascenseur comme ça. Et ils ont utilisé un tunnel de lave pour la construire. Donc ouais, super idée. Et voilà, ça a été... Si ça lui dit, il peut regarder la saison 1 de Mars et voir à peu près comment ça a été mis en œuvre dans cet univers de fiction-là. Ok, ça marche. Et pour finir, je vais peut-être vous montrer celle de Léo, parce qu'elle est un peu plus, c'est un peu plus une petite maison. Et ce qui est intéressant avec Léo, c'est qu'il voulait vraiment qu'il y ait un observatoire en fait en haut de la base, parce qu'il trouvait ça hyper important d'observer l'espace depuis Mars et pas depuis la Terre. Du coup, pour lui, ça a été vraiment quelque chose d'important de mettre cet observatoire. Et ensuite, qu'il y ait une partie où on puisse avoir de la lumière naturelle qui passe quand même dans le dôme, et ensuite une partie où on est quand même protégé en souterrain, et qu'on ait du coup c'est un espace convivial et un espace où dormir. Mais ça, c'est vraiment ingénieux d'avoir mis l'ouverture dans le dôme qui illumine comme ça. Là, elle est peut-être un peu grosse, et ça pourrait peut-être laisser passer un peu trop de radiation, mais il y a,
Il y a des études comme ça que j'ai vu passer sur des études d'architecture sur les futurs habitats martiens où on s'inspire comme ça des bâtiments qui ont été faits au temps des Grecs et des Romains qui jouaient beaucoup avec la lumière, avec des dômes, des constructions avec des dômes, la lumière qui passe par le dessus et qui permet d'illuminer toute une pièce comme ça avec des petites ouvertures. Et j'aime bien l'idée d'avoir une partie en aérien et une partie en souterrain aussi. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Et donc je pense que Léo, c'est ça? Je pense que Léo aime bien l'astronomie pour avoir mis un télescope comme pièce essentielle de l'aise. Donc je trouve ça très chouette. Et je vois qu'il y a une petite serre aussi. Exact. Toujours penser à la serre. Et on nous dit dans le chat que ça fait penser aux habitats de Tatooine dans Star Wars. Effectivement, je Ouais. pense que c'est le côté un peu rond. Un peu, le côté un peu Mais rond la qui doit serre, jouer. on aurait très bien pu la mettre en souterrain aussi avec de la lumière, avec des diodes électroluminescentes, sans problème. Si on voulait la protéger des radiations aussi. D'accord, parce que là, effectivement, il y aurait peut-être un risque en fonction du matériau choisi, j'imagine. Ok. Je voulais conclure. Merci Marie. Je voulais conclure peut-être en vous montrant. Hop, toc. Je voulais conclure. Alors, je vais la refaire. Je vais y arriver. Il est 20h14. Je vais y arriver. Alors, en vous montrant une vraie photo pour le coup que vous nous avez fait passer de la base dans laquelle vous étiez. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer ça. Est-ce que ça marche? Toc, 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 toc. Est-ce que vous la voyez? Pas Ah non, encore. pas Pas encore. encore. Ah, Alors. ouais. Oui. Là, on la voit. Ok, nickel. Ouais, c'est Ça bon. doit. Donc ça, c'est une photo de ta mission, Cyprien, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que tu peux juste rapidement nous la commenter? Ouais, bah alors l'espèce de ballon de foot derrière, c'est le dôme. Vous Le voyez que fameux dôme. c'était pas très très grand. Et puis on voit un des hublots, il y en a deux. Alors ce hublot-là, on n'y accédait pas tellement parce que on faisait pousser des plantes dans une espèce de système hydroponique à partir de ce qu'on pouvait récupérer. Et donc voilà, ce hublot-là était pour les plantes. Il y en avait un autre de l'autre côté, devant lequel on avait mis le tapis de course pour regarder un peu dehors. Et là, vous voyez qu'on a, donc sur cette photo, j'ai un analogue de combinaison spatiale, parce qu'on faisait des sorties à l'extérieur pour aller explorer. Alors, ça pouvait faire des missions de géologie, explorer des tunnels de lave, etc. Mais on avait ces combinaisons qui prenaient pas mal de temps à enfiler, qui étaient très lourdes. On avait aussi des protocoles qui étaient très compliqués, c'est-à-dire qu'on n'improvisait pas une sortie, ça se préparait la veille au plus tard, et puis il y avait des protocoles compliqués. Et donc on n'était jamais exposé à l'air libre au soleil. Même si une fois ou deux par semaine, on pouvait sortir, explorer les champs de lave. Après, là, on voit les panneaux solaires, qui étaient notre source principale d'énergie. Sur Mars, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus grands. D'ailleurs, ça aurait été pas mal qu'ils soient un petit peu plus grands pendant la mission aussi, parce qu'on manquait souvent d'électricité. On voit donc à droite du dôme, c'est ce qu'on appelle le SICAN. C'est en gros un container donc, qui est accroché au dôme, qui est relié par le sas, dans lequel on stockait la nourriture. Et la nourriture, c'était surtout des œufs en poudre, du lait en poudre, du jambon lyophilisé, des légumes lyophilisés, des fruits lyophilisés, qu'on réhydratait. On avait un système aussi pour faire chauffer l'eau qu'on voit ici. Et puis dans l'espèce de truc qu'on voit à droite qui est collé au SICAN, donc en gros l'espèce de rectangle et qui est collé au rectangle qui est collé au dôme, il y a des bouteilles d'hydrogène voilà, qu'on pouvait utiliser comme système de secours pour l'énergie. Et voilà, puis vous pouvez voir qu'on voit à peu près aucune trace de civilisation. Et c'est là qu'on a passé des mois. J'ai enchaîné avec Et une. Vas-y, ouais. dis-moi. Non, ah ben oui, si tu enchaînes avec une autre photo, Ah bah c'était une autre photo, c'était une c'était autre juste vue, de la c'était base. pour parler des réservoirs d'eau. Ok, vas-y. Hop, je reviens. Mais non, mais en fait, je crois qu'on les voit, enfin, on les voit pas mieux En sur. fait, Sur l'une ou l'autre des photos, on voit on un voit petit le peu, ouais, sur coin, le ouais, sur terrain. la droite. Là, ok.
Mais bon, tout ça pour dire qu'on avait des réservoirs d'eau potable et d'eau usée. D'accord. Je me demande si c'est pas le petit truc blanc au-dessus des panneaux solaires. Je crois que c'est la pointe du réservoir d'eau usée. Ça? Ou c'est quelque chose d'autre sur cette photo, il me semble. Alors. Possible. Mais voilà, donc en tout cas, les eaux usées, il fallait les évacuer régulièrement. Et régulièrement, il fallait nous ravitailler en eau. Et donc, on avait notre équipe de support qui venait faire ça grâce au réservoir qui était à l'extérieur du dôme et qui nous prévenait en avance pour qu'on bouge toutes les fenêtres et qu'on ne les voit pas. Donc, le petit, on va dire, la manière dont c'était annoncé pour que ça reste en simulation, c'est qu'on avait nos robots radioactifs qui venaient... s'occuper de choses à l'extérieur et donc il fallait se barricader pour pas qu'on les voit. Donc ça, c'était ça qui permettait de rester en simulation et d'avoir quand même du renouvellement en eau. Je sais pas, nous c'était toutes les 4 semaines à peu près, vous c'était plus long, je crois, 5 à 6 semaines. C'est ouais, parce que, ouais, parce qu'on économisait énormément l'eau, c'est-à-dire qu'on prenait à peu près 2 douches d'une trentaine de secondes par semaine, par exemple. On récupérait l'eau de la douche pour laver le sol, on essayait de faire durer au maximum. Et puis on a eu des problèmes aussi. Il y a un moment, on n'a pas pu avoir de ravitaillement, parce que, enfin, pour une combinaison de choses qui font qu'on n'a pas pu être ravitaillé, qu'on s'est retrouvé à court d'eau potable. Et on a failli devoir arrêter la simulation. En gros, la NASA était prête à stopper la mission. Enfin, s'est posé la question et en fait, on a récupéré les eaux usées. Donc un bidon qui était là depuis des années en fait, qui était à l'extérieur dans un bidon en plastique, donc avec des choses, voilà, enfin, je vous passe les détails, mais en gros quelqu'un qui la boirait mangerait à peu près autant. Et donc on a fabriqué un espèce de système de distillation. On a pris des plaques chauffantes, on les a mises dans un espèce de conteneur et on a mis une espèce de tente au-dessus pour qu'en fait l'eau s'évapore. Se condense sur la toile de tente et après retombe en coulissant le long de la toile jusque dans le réservoir. Et alors ça prenait beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un qui le fasse tourner, mais on a pu comme ça, évidemment on ne se lavait pas, on ne cuisinait pas, etc. Mais on a pu avoir suffisamment d'eau potable jusqu'à ce qu'on ait le ravitaillement. Le réservoir dont tu parles, c'était un réservoir d'eau d'urgence qui était à l'extérieur. Et donc je pense que vous, il n'avait pas été ravitaillé depuis un petit moment. Nous, la chance qu'on a eue quand on a eu notre problème d'eau, c'est que il devait avoir été ravitaillé depuis peu, parce qu'on c'était vraiment au début de notre mission. On a eu un problème de capteur dans un de nos réservoirs et donc on n'avait plus de moyen de savoir si l'eau quel était le niveau d'eau. Et en fait, notre capteur nous indiquait que c'était toujours bon. Et donc, on s'est... Voilà, au bout d'un mois, on disait, bon, bah, c'est très bien, il nous reste encore de l'eau, tout va bien, on n'a pas besoin d'être ravitaillé. Et finalement, on a complètement asséché le réservoir, donc on a fait entrer de l'air dans les pompes, donc on a vraiment tout mis hors service. Et donc, le temps que ça puisse être réparé, et on l'a réparé en simulation d'ailleurs, mais pour le réparer, il fallait être ravitaillé. Donc, le temps que l'équipe arrive avec l'eau pour remplir les réservoirs, on a dû utiliser ce réservoir d'urgence dont tu parlais, Cyprien. Mais nous, on n'avait pas autant d'algues dedans, parce que je pense que c'est à ça que tu faisais référence quand tu disais qu'il y avait autant à boire qu'à manger. J'ai pas cherché à faire de phylogénie, mais c'était vivant. Après, je pense qu'il n'avait pas été changé depuis le jour où vous l'avez utilisé. Ouais, bah voilà. Et donc, mais c'est pareil, il fallait qu'on fasse bouillir. Donc, on n'avait pas besoin de faire de filtration, mais au moins bouillir. Et c'était c'était la seule eau qu'on pouvait utiliser jusqu'à ce qu'on ait le ravitaillement, qui arrivait assez rapidement. Mais voilà, ça nous a servi de leçon. Et après ça, chaque semaine, on allait vérifier le niveau d'eau plusieurs fois par semaine dans ces réservoirs-là. Ça marche. Je prends juste une dernière question parce que je vois que l'heure tourne. Je vais prendre une dernière question et ensuite moi j'en aurai une dernière à vous poser et ce sera déjà l'heure de nous quitter. Par rapport à ce que vous venez de dire justement sur l'eau, Novi nous demande comment ça se passerait sur Mars, parce que
personne ne peut venir rapidement vous ravitailler en eau. Est-ce que ça voudrait... Alors, je continue à lire sa question. Ça voudrait dire prévoir une expédition puis des réapprovisionnements pour assurer la survie de la mission sur place, vu les problèmes de ce test. Je reformule. Comment on ferait? Comment on ferait sans équipe technique sur place On s'arrange... Enfin, on s'arrangerait pour pouvoir utiliser les ressources qu'on a sur place. C'est ce dont on parlait au début. Donc, on a de l'eau dans la glace sur Mars qu'on peut faire fondre. On a de l'eau dans les roches, dans le gypse notamment, qu'on peut faire fondre. L'eau commence à apparaître quand on le fait chauffer à 120 degrés. Donc là, on peut récupérer pas mal d'eau à partir du gypse. On a d'autres roches. On peut récupérer même peut-être le givre qui se forme à la surface de Mars, même si c'est en quantité très limitée. Il y a de l'eau sur Mars. C'est juste qu'elle n'est pas sous forme liquide. Mais il y aurait des moyens de récupérer cette eau-là et bien sûr toujours de recycler ce qu'on a amené avec nous. D'accord. Cyprien, si tu as une info complémentaire ou... Non, pas tellement. Enfin, de façon générale, il faudra qu'on se débrouille, quoi. C'est-à-dire que soit on prévoit suffisamment pour... Alors, c'est une combinaison d'emmener ce qu'on ne peut pas produire sur place, de produire ce qu'on peut sur place et de recycler au maximum. Et puis après, s'il y a un problème, évidemment, on doit se débrouiller parce que selon la position des planètes, les secours peuvent mettre plus ou moins de temps à arriver. Mais si la mission n'est pas prévue, ça ne se fera pas... ça se compte au mieux en mois. Et c'est en étant très, très chanceux, quoi. Donc, il faudra beaucoup se débrouiller. Il faudra apprendre à... Il y aura probablement, d'ailleurs, des problèmes qu'on n'avait pas prévus. Il faudra que les équipiers se débrouillent. Alors, évidemment, ils seront conseillés par les gens qui sont restés au sol. Mais vu qu'il y a un délai de communication, qui, selon la distance entre la Terre et Mars, peut aller d'à peu près 3 à 23 minutes, grosso modo, il faudra qu'ils soient quand même autonomes s'il y a des urgences. Donc, ça sera aussi beaucoup de débrouilles. C'est noté. Être un peu MacGyver sur les bords, quoi. La référence commence à dater un petit peu. Je suis pas sûr que ce soit une bonne référence encore à sortir maintenant, mais enfin. Ouais, je suis suffisamment vieux pour la comprendre, mais ouais, je pense que c'est le dernier. Il faut trouver autre chose. Il faut trouver une nouvelle ref. The Martian. Le Martian. Seul sur Mars. Ouais, j'avoue. Ça fonctionne aussi très bien. Alors du coup, une dernière question, juste avant qu'on se quitte. Est-ce que vous avez un souvenir marquant? Un chouette truc qui vous est arrivé pendant vos missions respectives de 4 mois et 1 an que vous gardez, c'est vraiment le souvenir, quoi. Ce serait quoi si vous deviez en choisir un? La sortie. Finalement, la sortie. Ouais, ouais, parce que alors c'était pas forcément le plus beau souvenir, parce qu'on a eu plein de beaux moments dans le dôme. Et on a fêté Noël avec les moyens du bord, il y a eu l'entrée qui était très importante. Mais si je devais en choisir un qui m'a vraiment marqué, c'était la sortie. Parce que ça faisait quand même un an qu'on n'avait rien vu à plus de 10 mètres, sans avoir du plastique, ou enfin bref, les hublots ou la visière du casque. Et quand on a ouvert la porte du dôme pour sortir, d'un coup on a eu une impression de clarté, parce que pour la première fois on pouvait voir au loin sans rien, et puis on a vu des gens aussi, et ça c'était incroyable. On avait parlé en temps réel à personne depuis le début de la mission, et on a eu plein de gens. Puis en plus on avait, bon, évidemment, il y avait une cérémonie, etc., donc il y avait des dizaines de personnes, des journalistes, et donc les journalistes venaient là, nous poser des questions, mais on avait envie de leur demander et vous, quoi. Parce qu'on voulait savoir aussi, on voulait qu'ils nous racontent, on voulait qu'ils nous parlent de ce qui se passait, de ce qui s'était passé pendant un an aussi, parce qu'on avait très peu d'informations, comme on n'avait pas Internet. Et puis, bon, évidemment, il y a le soleil aussi, sentir le soleil sur sa peau, c'était incroyable, même si c'était complètement couvert. On avait un brouillard horrible le jour où on est sorti. On a quand même tous eu des coups de soleil, parce que justement, notre peau n'avait pas vu le soleil depuis très longtemps. Et puis sentir le vent aussi sur le visage, sentir l'humidité de l'air, etc. Tout ça, c'était des sensations. On ne se rendait pas compte que ça nous manquait, mais de les retrouver d'un coup, c'était... nos sens étaient surstimulés. Ouais. Lucie. Ouais, la sortie, c'était impressionnant, mais si je devais garder un souvenir, ce serait l'anniversaire de
de ma collègue Tiffany pendant la mission, qui c'était début juin, donc à peu près au milieu. Et c'était vraiment un bon moment parce que ça nous a fait une petite célébration coupure. Elle avait tout préparé. C'est ce qu'elle aime bien faire pour son anniversaire. Donc, elle avait même, en objet personnel, elle avait amené des ballons violets parce que c'est sa couleur préférée. Et elle avait gonflé des ballons violets avant qu'on se réveille. Et donc, s'est réveillée avec des ballons de baudruche violets partout dans le dôme. Et après, elle avait fait la cuisine pour toute la journée. Enfin, c'était impressionnant. Donc une autre, c'était pas le jour où elle se reposait, c'était le jour où elle partageait son anniversaire à nous faire plaisir en fait. On peut dire ça comme ça. Et on a tous profité ensemble, donc ça c'était vraiment un super souvenir. Top. J'imagine que vous devez avoir encore plein d'autres chouettes anecdotes à raconter sur ces missions-là. Mais pour nous, ça sera déjà l'heure de se quitter. Est-ce que ça fait pas des jolies transitions ? Ça fait des jolies transitions, non ? Je trouve que ça fait des jolies transitions. Très jolie transition. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu présent pour ce petit temps avec nous autour de vos missions respectives, pour avoir échangé autour de l'exploration martienne, d'avoir pu parler un petit peu d'espace, même si ça a été un peu court. Il faut savoir que pour les personnes qui nous regardent en live ou en replay, cet événement s'inscrit dans la programmation associée à une chouette expo qu'on accueille dans notre lieu, la Rotonde, une exposition autour de Mars que l'on ne peut actuellement pas ouvrir, mais qu'on espère peut-être pouvoir vous montrer sous une forme ou une autre quand ça sera possible. Donc merci beaucoup, merci Marie aussi. J'essaie de te rafficher, je te vois pas là. Ok, merci Marie. Merci à vous dans le chat d'avoir répondu présent aussi à cet événement et d'avoir posé vos questions, parce que c'est ça aussi qui rend les lives vivants. Donc n'hésitez pas, dans peu de temps, on vous mettra le replay de cette rencontre sur notre chaîne YouTube. Et ben, je crois que c'est à peu près tout. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Donc. Merci beaucoup Arthur et merci Marie. Ça nous a fait plaisir, je pense, à tous les deux de participer, c'était sympa. Et puis merci à ceux qui écoutent aussi. Ouais. Merci encore à vous d'avoir répondu présent. On va couper le live là-dessus. On se donne rendez-vous je ne sais pas quand pour le prochain format live. Reposez-vous, prenez soin de vous, c'est important en ce moment. Et bonne soirée. Ciao. Bonne soirée à tous, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Ciao.